Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors on reprend là où ce qu'on en était resté dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que je vais faire le craft des Angel Ring, mais les ailes de dragon au final. Alors pour ça, j'ai voulu faire dans cette table-là, mais au final, bon, ça, le craft ne se fait pas. Regardez, hop. Alors je prends pas le risque parce que quand je vais faire le craft, vous voyez, ah non, on voit pas là comme ça. Mais normalement, j'ai que 10 secondes. Alors je préfère faire ça sur cette table-là et on va tenter l'expérience tout de suite. Allez, c'est parti. Alors que je sois prêt. 10 secondes. Hop. Tac, 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 tac. Tac. Oula, oula. Ouh, j'ai reçu. Ouh, c'était chaud. J'ai cru que ça allait exploser, j'ai vu le truc rouge. Et maintenant, regardez, c'est juste magnifique parce que peu importe où je le mets, bah, j'ai les ailes dans le dos et je peux rester en lévitation. Ah là là, c'est juste magnifique. Ah, j'adore, 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 j'adore. Et non, il n'y a pas d'usure. Je trouve ça magnifique maintenant. C'est du. Alors, je sais pas pourquoi ça devient sombre. Ouais, bon. Je pense pas que. Je sais pas, je regarderai s'il y a des effets. Oula, je confonds, c'est. Voilà. Mais en tout cas, c'est juste magnifique. Grâce à ça, je vais pouvoir voler. Puis les escaliers en bouse, bah, ça va être fini, ça. J'adore, 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 j'adore. On va tester ça tout de suite. Ah, il fait nuit. On va quand même passer la nuit. Ah, mon lit, il est en haut, c'est vrai. Alors, dans cet épisode-là, je vais faire du implant énergétique. On va se lancer un peu sur ça. Alors, normalement, avec la pioche, je devrais pouvoir. Oh là là, mais j'adore pouvoir voler. C'est ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Je suis assez content là. Faut pas vous imaginer. En plus de ça, bah, ça use pas d'énergie parce que j'aurais eu. C'est carrément mieux que la quarry. La quarry, la quantum. Donc, on va chercher ces astéroïdes-là pour aller miner à l'intérieur les composants qu'on a besoin pour un plan énergétique. Je sais pas si je peux casser avec cette pioche-là. Parce qu'apparemment, c'est du niveau obsidienne. Ouais, il faut. Ça peut le faire. Ouais, non, il va falloir une pioche en diamant. Bon, bah, ça va être assez simple. Je vais aller récupérer une. Bon, je vais chercher la turtle et on se retrouve. Eh bien, je viens de récupérer la turtle et puis là, je m'envole. Et puis, regardez, le roi des slimes. Bah, en fait, bah, il était juste en haut. Oh bah on va se le faire du coup. Yeah. C'est bien parce que ça rapporte plein d'XP et des slime balls bizarres. Alors j'ai eu quoi? Oh, j'ai eu des trucs intéressants. Shift, contrôle. D'accord, il y a du zombie qui peut passer par là. Alors, il y a une deuxième là-haut, on va aller voir. Donc, je me suis renseigné aussi entre-temps pour l'anneau, les effets. Parce que je me disais aussi que c'était pas trop gratos. Est-ce qu'on peut récupérer les nuages? Yes, je sais pas qu'est-ce qu'on peut en faire. Ok, rien.
Donc, au final, ça consomme, ça accélère la consommation de nourriture. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu grande différence. Donc, on part à la recherche de météorites. Alors, je vais pas prendre celle qu'il y a là, parce que je vais la laisser pour notre ami Bibix. On va aller voir ailleurs. Alors je pensais, tiens, bon, il y en a une justement là. Alors, hop, peut-être demi-tour et par là. Alors je pense, ouais, je peux accélérer, ouais. Non, pas de grosse différence. Non, c'est en créatif qu'on peut accélérer. Et je suis pas en créatif. En tout cas, c'est excellent de pouvoir voler avec le mode créatif, que ce soit pour la construction ou l'exploration. Waouh, tous les pôles. Donc là-bas, ça a jamais été visité. Quoique peut-être Bubik s'est passé par là. Alors, je sais pas si ça les chunks. Ah, je vois un truc là. Une petite île. Ah, voilà une météorite. Donc, on va tester parce que j'ai pas. Mais normalement, la turtle devrait pouvoir creuser. Alors, on va se faire un petit tunnel de 4. Alors, tunnel 4. Non, j'ai. Ouais, non, c'est 2N. Ou 3. Ouais, à récupérer les blocs. Alors, elle a fait, d'accord, en fait, elle compte. Tunnel 2. Alors, je crois qu'elle compte la case où ce qu'elle est. Allez, encore, tunnel 1. Ouais, non, il faut faire deux en fait. Bon, bah, encore, c'est parti. Un tunnel 2. Alors, normalement, au milieu de la météorite, il devrait y avoir un processeur ou un circuit imprimé, je crois, je sais plus trop. La condition que j'arrive au milieu, mais je crois que là je sors, je la traverse carrément. Ouais, bah à mon avis ça doit être plus en dessous. Ah quoique, non. Ah mais c'est un coffre! Bah voilà. Bon bah déjà on a un truc. Alors, est-ce qu'il peut récupérer ce fameux coffre? Yes! Allez, on va mettre un petit tunnel 5. Bon bah du coup je vais faire plusieurs météorites et ouais, je vais pas les faire tous direct parce que sinon l'épisode va être vite fait. Alors on se retrouve plus tard quand j'aurai réuni parce qu'il y en a quatre différents et puis on va essayer de choper les quatre ou les trois, je sais plus trop. Bah je vais regarder puis on verra.
Allez, à tout de suite. Eh bien, on se retrouve. Du coup, bah, j'étais chercher tous les inscriptions. Alors là, j'en profite parce que je veux réparer ma pioche, justement. Parce que j'étais dans le Nether chercher de la. Comment s'appelle? Du quartz. Parce qu'il va en avoir besoin. En même temps, j'ai fait de la Nether Dust. Je récupère ça, je récupère un, du moins. Pourquoi il s'alimente plus? Ah, il a plus. Ok. Et j'ai oublié de préciser aussi, il y a, comment ça s'appelle, une boussole qui est juste là, celle-ci, qui vous permet de. Alors attendez, le nom c'est météorite compass. En anglais c'est boussole, quoi. Qui marche comme une boussole justement, mais sauf qu'au lieu d'indiquer le nord, elle indique la météorite la plus proche. Je sais pas pourquoi j'ai gardé le charbon. Bon, c'est pas grave. Donc je l'ai pas utilisé parce que on a besoin d'énergie de trucs là. J'ai pas le nom. Il y a un monstre quelque part là. Non, il m'en faut juste un. Alors j'ai besoin de charge Certus Quartz, bon, enfin de cristal chargé. Lui il est où lui? De ton dessous. Dessus. Bon bref. Et du coup bah comme j'en ai besoin bah je préfère pas gaspiller pour un truc alors qu'il y a la map et on peut voir directement. Bon après j'ai toutes les inscriptions. Oui bah je vous ai pas fait voir mais elles sont ici. Ah là, j'en ai 5 inscriptions silicone. D'ailleurs, on va en avoir besoin. La calculatrice. Oh, je sais pas trop. Et inscription logique Prest. Alors, je sais pas trop. Utilité. Ok. 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 Donc, oui, voilà. Je connais pas tout à fait bien les utilisations, mais. Bon, je vais voir ça au fur et à mesure. Donc, là, je voudrais me faire justement des flots de cristal, parce que je vais en avoir besoin pour faire. Je voudrais faire un coffre. Mais avant ça, avant de faire le coffre, il va falloir que je fasse un Energy Cell. Non, avant ça même, il va falloir faire un. Alors, il ou voilà, c'est Energy Acceptor. Donc, voilà, il nous en faut un. Alors, pour ça, il nous faut un cristal chargé. Bon, je vais ranger ça, moi. Hop, j'ai mis le sac à dos dans le petit sac. Non, c'est pas la pioche. La pioche, je la garde. Je vais ranger ça. Donc, non, c'est ça qu'il va me falloir et un de redstone. Donc, je vais faire avec vous. Il faut juste balancer dans l'eau. Hop. Et après, il faut attendre un peu. Voilà. Ah, j'en ai obtenu deux. Ah, bah, c'est cool ça. C'est bon à savoir. Donc, nous voilà. On va faire ça. Alors là, il va nous falloir, bah, vous voyez, du quartz et de la glace. Normalement, de la glace, j'en ai peut-être. Ah, quoique, j'en ai peut-être mis ici. Yes, 1, 2, 3, 4. Et je crois normalement c'est 5. Alors, on en fait 4, ouais, c'est nickel. Table de craft, alors, est-ce que j'ai une table de craft un paille énergétique? Non, même pas. Ah. Bah du coup, il faudra que j'en fasse. On va prendre celle de. Oh, Computer Craft. Je pense pas que je vais faire grand-chose. Non, c'est l'inverse. Ouais, si, c'est ça. Et non, pas du tout. Je vais regarder. Alors, c'est une croix. Et le verre ici. Donc, on a nos quatre. Ensuite, non, c'est pas celui-là, c'est. Alors, lui, l'énergie acceptor permet de convertir.
de convertir l'énergie, l'EMJ ou les EU en énergie AE pour employ énergétique. Alors du fer, du fer. Je suis bête, j'avais du fer. Non, non, c'est en plus, si c'est du fer, j'ai pris. Alors, je connais pas le parterre, mais... Bon, ça... Ah, si, ça, nickel, ça fonctionne. Et en tout cas, je vais installer le premier système Unplanned énergétique dans la Twilight, justement pour la ferme à bois. Parce que y aura besoin déjà en premier temps d'énergie directement. Enfin, d'énergie de charbon, et puis ça va nous permettre de faire pas mal de charbon. Alors, du quartz, bah, c'est la même chose, c'est reparti. Alors, attendez, je vais. On va devoir du fer là, voilà. Donc, vivement aussi qu'on ait un système de craft automatique. Ah, du verre, du verre, du verre. Peut-être en prendre plus que. Non, on a du sable. Je vais aller 3 stacks, non 4, allez. Oh, je vais aller en mettre à cuire vite fait. Alors lui, je regarde le craft. Oh, il a parce qu'il est plat. Ok, oui, bon. Ah ouais, ça c'est le créatif. Alors lui, il a une capacité de, je sais pas trop combien, mais je crois c'est 500 ou 200. Donc, alors c'est pas obligé d'avoir des charges. Alors les charges, on va les garder. Alors hop, j'ai un stack, je vais prendre ça aussi. Je vais en prendre quelques-uns aussi de ceux-là. Ça évitera de me déplacer. Du fer, c'est bon. De l'or, peut-être. Wow. Peut-être pas. Oh, le charbon, il n'y a peut-être pas besoin de tout cela. Donc, bah, hop. Ah, ah, oui, mince. Faut que je passe ça dans un gristone. Y a pas moyen. Et non. Bon bah c'est parti. Oh quoique je vais peut-être faire. C'est déchargé. Je sais pas si ça marche avec des non chargés. Non je pense pas mais ou sinon s'il y a un moyen de faire. Ah mais attendez. Certus quête. Ouais, bah non, non, il n'y a pas le choix. Alors, bon, bah, je vais prendre 7, de la redstone. Ah, j'ai rangé ma redstone, moi. J'ai peut-être pas dû en prendre 2. Alors, normalement, ça devrait nous faire un. Alors, je vais tout balancer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, normalement, on devrait en avoir 14. Ouais, c'est ça, 14. Donc, bah, hop. Alors, on en obtient qu'un seul, et puis il m'en faut 4. 1, 2, 3, 4. Bon, bah, le temps que ça fasse. Alors, ce que je vous propose, c'est que au prochain épisode, enfin, je vais arrêter cet épisode-là. Et sur le prochain épisode, bah, je vais carrément avancer. Je vais en même temps faire le. Pas le charge, mais. Inscriber. Bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Je pense que je ferai peut-être un tuto sur Unplanned énergétique 2. Que j'ai un peu farfouillé un peu partout. Et je pense avoir compris comment bien débuter. Même si je connais pas tout en détail.
Mais voilà quoi, je me suis bien renseigné, puis il y a des trucs assez sympas à faire. Et puis il y a un autre truc aussi que je voudrais faire entre-temps. Alors c'est Mine Factory. C'est le Nig. Need gun. C'est le gun, vu qu'on j'ai récupéré bah c'est ouais non c'est bon. Vu que j'ai récupéré des Blaze Rod, du coup je me faire ce petit flingue là. Et le flingue bah il fonctionne avec ces munitions là. Non c'est pas cela. Alors il faudra déjà une boîte à munitions. Et ensuite les balles. Bah, les balles on recharge comme ça. On met par exemple les flèches. Ou du silex. Alors, je sais pas trop. Ça, c'est des trucs de lave. Ok. Je ne sais même pas c'est quoi plastique. Ok. En fait, c'est des fusils à pompe là. Ah, ok. Carrément une onde ville. Alors, c'est un bazooka ça. Et ça, c'est les parties du bazooka, non? Ah, je sais pas trop c'est quoi ça. Bon, en tout cas, le bazooka, non, il m'intéresse pas pour l'instant. En plus, faut des trucs bizarres. Ah, ok, non, c'est pas trop compliqué. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Déjà, en même temps, ça qui m'intéresse. C'est quoi ça? C'est une canne à pêche. Ouais. Moi, je vais me faire le petit flingue parce que j'ai crafté un arc, mais bon, bah voilà quoi, je l'utilise pas. Et à distance, le flingue, il pourrait être plus intéressant que l'arc, je pense. Alors, il faudra que je fasse plastic bag. Je sais pas du coup, c'est quoi ça? C'est peut-être pour faire un craft. Du coup, il faudra que je vais faire des petits essais en créa, voir lequel qui fait le plus de dégâts. Ah, la paille. Normalement, cette paille-là, ça vous permet de boire l'XP. Ah oui, ça, ah, c'est un bon truc, ça. Sacré rubber. Eh, hey, j'ai eu le méga rubber et puis le sacré warning. Alors, je sais pas c'est lequel. Il faudra que je regarde en créa. Comment il se transforme le méga. Donc j'achève cet épisode-là et puis on se retrouvera sur le prochain épisode avec Unplay énergétique, la suite de cet épisode-là on va dire, et puis je pense qu'il y aura peut-être pas mal d'améliorations, et puis j'espère que le système sera en place en tout cas. Allez, ciao!